Et toi? On parle. T'as vu comment il est bizarre? Mais de dingue, il est ouf lui. Grave de chez grave, il est trop chelou. Ah les filles, vous avez vu comment il est habillé encore une fois? On dirait pas un clown. Moi j'aurais pu te dire qu'on peut être un petit village. Bouge pas. Parfait. Hey, donne-moi ton goûter sinon tu vas voir ce qui va se passer. Vas-y. Lâche. Donne-lui. Allez, bateau. Check. Oh là là, encore lui. Ça sent bizarre depuis 9 minutes, vous ne trouvez pas? On t'a déjà dit qu'on ne voulait pas de toi. Non, t'as des sous ou quoi? C'est le seul plan, non? Ouais, bah je m'en fiche, je veux pas avoir ta tête à côté de moi, ça me coupe la vie, c'est pas vous. Ouais, c'est clair, t'as raison. Au pire, t'as qu'à manger debout. Est-ce que ça va? Y a un problème? Non. Je te prends ton pain, j'en ai pas assez. Allez, va-t'en. J'ai peur de ces filles dont je n'arrive pas à me défaire. Pendant des mois, j'ai supporté ce harcèlement, pensant que c'était moi le problème. Aujourd'hui, je ne sais pas quel est mon avenir. J'ai peur de me rendre à l'école, de croiser ces filles, des filles. Vous souhaitez en savoir plus sur le harcèlement? Nous vous donnons rendez-vous le mardi 26 novembre à la salle des fêtes Alfred Collin à 18h30 pour échanger sur cette grande cause nationale 2024.